Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce direct. C'est une rencontre ce soir organisée par les bibliothèques de la ville de Paris et en particulier avec la bibliothèque Buffon située dans le 5e arrondissement qui devait au départ nous accueillir entre ses murs. Mais évidemment, la situation sanitaire a fait que cela se passe autrement ce soir. Mais voilà, on est très heureux de pouvoir quand même organiser ce débat et le tenir ensemble. Nous voici à distance. Une thématique ce soir, donc, dans le cadre du temps fort autour des solidarités de demain, avec une question spécifique ce soir autour de la pauvreté. Alors, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à poser vos questions en direct dans les commentaires. On aura un petit temps à la fin de notre échange pour ces questions. Alors, quel regard portons-nous sur la pauvreté? Comment remettre en question ce regard pour prendre du recul, tenter ensemble de se départir des clichés et pourquoi pas essayer d'un petit peu le changer en y réfléchissant. Voilà, en pleine crise économique et sanitaire, on va prendre 1 heure ensemble ce soir pour y réfléchir. J'ai le plaisir donc d'accueillir 2 invités. Marie-Alette Grard, qui est la présidente de l'ONG ATT Gare Monde. Bonsoir. Bonsoir. Et Denis Colombi, qui est sociologue. Vous êtes sociologue et professeur de sciences économiques et sociales. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Alette Grard, vous êtes donc la présidente d'ATT Gare Monde depuis juillet dernier, mais cela fait de nombreuses années que vous y êtes bénévole. Vous avez été aussi la présidente adjointe pendant plusieurs années. Vous êtes également membre du CESE, le Conseil environnemental social, le Conseil économique, social et environnemental. Et vous êtes aussi membre du Conseil scientifique qui a été créé suite à l'épidémie de Covid-19. Vous êtes notamment chargé d'y relayer les difficultés rencontrées par les personnes en situation de précarité pendant le confinement. Et vous, Denis Colombi, vous êtes donc, je l'ai mentionné, sociologue, vous enseignez les sciences économiques et sociales au lycée. Vous êtes auteur d'un blog qui s'appelle L'heure de peine et vous avez publié Une un heure totale. livre, pardon, Une heure de peine, Une heure de peine, pas L'heure de peine. Vous avez publié un livre au titre évocateur, Où va l'argent des pauvres? Fantasmes politiques et réalités sociologiques aux éditions Payot. Alors, je vais montrer la couverture pour que vous puissiez le retrouver facilement, soit en bibliothèque, soit en librairie. Et puis, dans les commentaires, on va mettre la référence pour que vous le retrouviez très facilement. Voilà, dans ce livre passionnant, vous décortiquez notre regard volontiers moralisateur ou critique sur les dépenses des classes moins aisées, et vous y montrez que la gestion de cet argent ne manque pas de rationalité, contrairement aux idées reçues. Alors voilà pour les présentations. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par une question vraiment simple à laquelle je vais vous demander de répondre, voilà, en quelques phrases. Alors, qu'est-ce que c'est être pauvre en 2021? Et je vous propose de commencer, vous, Marie-Alette Grard. Alors d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invitée. Heureuse d'être avec vous ce soir. Un peu déçue de ne pas être à la bibliothèque Buffon où nous avons eu l'occasion de faire un débat il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, sur le droit aux vacances pour les plus pauvres. Et voilà, donc ce sera pour une autre fois dans la bibliothèque. Mais je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui dans notre pays? Alors, être pauvre dans notre pays, c'est ne pas avoir accès à ses droits aussi facilement que tous les autres concitoyens. Ça, c'est une première chose. C'est trop souvent être mal logé. C'est trop souvent aussi être obligé de se justifier, de justifier chacun de ses gestes, chacun de ses engagements, chaque chose que l'on va faire dans la vie. Je dis justifier parce que si vous devez faire un dossier de demande de RSA, de revenu de solidarité active, eh bien oui, vous allez devoir justifier vraiment beaucoup de choses pour pouvoir accéder à ce revenu de solidarité active.
Et ça, c'est vraiment, dans notre pays, il y a deux vitesses. Il y a ceux pour lesquels, mais on va y revenir dans le débat, hein, il y a ceux pour lesquels, à qui, a priori, on ne fait pas confiance, ce sont les plus pauvres, et ceux pour lesquels, a priori, mais je n'ai rien contre les uns ni contre les autres, on fait confiance. Je vous donne juste un tout petit exemple, c'est-à-dire que quand vous devez payer l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. A priori, l'État vous fait d'abord confiance, c'est-à-dire qu'il ne vient pas vous demander tout un tas de dossiers. Vous devez déclarer ce que vous avez comme fortune immobilière. Je n'en connais pas plus, hein, parce que je n'ai pas de fortune immobilière. Mais voilà, a priori, vous devez d'abord déclarer et l'État viendra peut-être vérifier si vous avez bien déclaré votre fortune immobilière. Mais pour avoir le RSA, c'est-à-dire que quand vous demandez le RSA, c'est que vous avez zéro pour vivre. Vous n'avez rien. Donc, pour avoir le RSA, il faut par contre remplir une bonne dizaine de pages A4 pour savoir ce que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que vous vivez vraiment bien seul dans le logement, là où vous le dites, etc. Voilà. Donc, les plus pauvres, ce sont les personnes à qui on ne fait pas confiance dans notre pays. Ce sont des personnes que l'on soupçonne d'être des paresseux, qui ne voudraient pas retrouver de travail. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre plus. Je pense que comme introduction, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Mais écoutez, je pense que votre définition, votre analyse va sans doute être rejointe par celle de Denis Colombi. Alors pour vous, vous qui êtes sociologue, vous qui avez écrit un livre autour de cette question, qu'est-ce qu'être pauvre en 2021? Moi, je peux donner une réponse qui est assez proche finalement de celle de Maria Elektra. J'ai écrit le livre en prenant le parti d'apporter la question de la pauvreté au travers de la question de l'argent et de ses utilisations. Et en fait, la première chose qu'on peut dire, la première chose qui vient d'être dit, c'est que la pauvreté, c'est ne pas avoir d'argent. Ça peut s'appeler assez simple et assez un peu simpliste, comment dire, évident à dire. Mais en fait, lorsqu'on parle de la pauvreté, lorsqu'on l'envisage, souvent, dans le débat politique, on considère que les pauvres matchent de beaucoup de choses. Ils matchent d'accès à la culture, ils matchent d'éducation, ils matchent de diplôme, ils matchent de bons conseils pour s'en sortir. Ils matchent de beaucoup de choses. Et on a oublié souvent de dire qu'au final, la première chose qu'ils matchent et la plus importante, c'est l'argent et c'est le peu d'argent. Et on peut pas comprendre la pauvreté, je pense, si on ne commence pas par regarder la petitesse des budgets, l'étroitesse des budgets dont disposent les personnes avec les revenus les plus faibles. Il y a un chiffre que je reprends d'un livre, à moi qui l'ai fait, c'est une enquête du CRÉTOC, sur qui montre que les 10% les plus pauvres en France, et les 10% les plus pauvres, c'est pas certaines quantités de personnes, disposent, une fois qu'on a retiré de leur revenu en moyenne, le revenu moyen, une fois qu'on a retiré les dépenses prêts à cacher, qui peuvent être, par exemple, le loyer, les abonnements, les assurances, les choses comme ça, et qu'on retire les dépenses inévitables, l'alimentation et des choses comme ça, il leur reste en moyenne 80 euros. 80 euros par mois pour loisirs, habillement, autre chose de ce genre-là. C'est vraiment très peu, et c'est une moyenne, il y a déjà, tu vois, considérablement moins. Et souvent, on n'a pas conscience de l'étroitesse de ces budgets. Si on part pas de là, on ne peut pas comprendre grand-chose à la pauvreté. Et en même temps, on a souvent tendance à oublier cet aspect-là, ce fait que la pauvreté, c'est d'abord une condition matérielle de privation. Et l'autre aspect, on vient aussi d'évoquer, c'est que la pauvreté, c'est aussi faire l'objet de stigmates, et être sommé sans cesse de se justifier, et notamment de se justifier sur son usage de l'argent. Et finalement, l'argent qu'utilisent les pauvres, souvent, il vient pour partie de dettes sociales, RSA, d'autres choses comme ça, et il est souvent passé politiquement comme ne leur appartenant pas. C'est-à-dire qu'on va dire, on leur a donné cet argent, il faut qu'on s'assure qu'ils l'utilisent bien, il faut pas qu'ils l'utilisent pour des consommations qui ne sont pas souhaitables, mais qui ne sont pas souhaitables, du point de vue de l'État, du point de vue de la société, mais pas du point de vue de la personne qui a bénéficié. De telle sorte que cet achat n'est pas passé comme appartenant aux pauvres, c'est pas un droit qu'on leur donne, c'est une contrainte pour les contrôler. Et au travers de l'achat, justement, se joue beaucoup du contrôle et de la stigmatisation des plus pauvres. C'est ce que j'ai essayé de montrer à l'œil. Oui, et ben justement, vous l'avez évoqué l'un et l'autre,
on va dire, ces clichés liés à la dépense de son argent. On connaît tous donc le cliché de l'assisté qui profiterait des aides de l'État sans rien faire, de celui ou qui, à peine son petit salaire versé sur son compte, irait le dépenser n'importe comment dans des promotions dans les supermarchés. Pourquoi, justement, pourquoi, selon vous, alors Denis Colombier, on va commencer par vous, pourquoi les dépenses faites par les plus pauvres sont-elles autant scrutées? Vous avez déjà évoqué quelques petits éléments de réponse, mais est-ce que vous pourriez un petit peu développer là-dessus? Oui, alors Técha, il y a parce que la première raison, c'est parce qu'on pense que c'est de l'argent qui nous appartient, qui appartient pas aux pauvres, mais qui appartient à la somme de la société et qui ne doit leur être accordé finalement non pas comme un droit, mais comme une forme d'assistanat et finalement comme un principe de contrôle. Et ensuite, parce qu'on a tendance à ne pas comprendre la logique de l'utilisation de l'argent par les pauvres, parce qu'on ne comprend pas ce qu'est l'expérience de la pauvreté. Vous savez, évoqué par exemple le fait que dès qu'on touche un revenu, dès qu'on touche le RSA, notre revenu, allez tout dépenser d'un seul coup, t'as tes matchs. Effectivement, d'un point de vue de classe moyenne, de classe supérieure, on se dit, ah oui, ben, comme ça, il faut utiliser son argent, il faudrait l'épargner, il faudrait le planifier, il faudrait l'utiliser petit à petit. Ça, lorsqu'on se penche sur la façon, et c'est ce qu'ont fait beaucoup de sociologues, enfin, j'essaie de faire la cette analogie, lorsqu'on se penche sur la façon dont les pauvres gèrent vraiment leur argent, en fait, ils préfèrent il est plus logique, plus rationnel de le dépasser immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on en a peu, et si on en a peu, ça veut dire qu'à la moindre facture, au moindre impôt, qu'on a oublié qu'il allait venir, parfois ça peut être un PV, parfois ça peut être autre chose, cet argent peut disparaître très vite du compte à pack. Donc, on préfère le retirer. Lorsqu'on a un argent liquide, déjà, il ne peut plus être retiré, il ne peut plus nous être pris comme ça. Ensuite, on préfère le dépasser immédiatement parce qu'on va stocker de la nourriture, par exemple, dans ce congélateur, dans ce cachetier, dans ce placard, pour pouvoir faire face, en fait, à une difficulté future. Et en fait, ce fait de dépasser tout son argent d'un seul coup, dès qu'on l'a, c'est une manière de gérer la difficulté que pose la gestion d'un budget de petite taille. C'est une manière de gérer la pauvreté. Sauf qu'on ne le voit pas lorsqu'on regarde ça, vu de loin, vu des classes moyennes et supérieures. On s'imagine que la façon dont on gère notre argent, qu'on en a suffisamment, et encore plus si on en a beaucoup, serait valable pour tout le monde. Et c'est pas vrai. En fait, la pauvreté, le peu d'argent impose des modes de gestion, des modes de dépense, des modes de consommation qui sont parfaitement rationnels, mais qui s'expliquent par cette pauvreté. Si les personnes avaient plus d'argent, elles dépasseraient autrement, tout simplement. Oui, Marie-Alette Grard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, d'un point Oui, de j'ai vue, on deux va dire, choses. du ressenti en tant qu'ONG sur, voilà, sur cette manière qu'on a toujours de se dire, mais comment ils dépensent les aides, et vous, en tant qu'ONG, vous fournissez de l'aide aux plus démunis. Est-ce que Ah non. parfois vous êtes confronté à voilà, peut-être même des réflexions, des choses où on peut vous dire, mais qu'est-ce que vous faites vraiment pour les aider? Est-ce que c'est pas contribuer au problème que de faire ce que vous faites? Alors, nous sommes une ONG un peu atypique parce que nous ne sommes pas du tout dans l'aide. Nous sommes vraiment dans permettre aux personnes d'exercer leurs droits. Mais je vais répondre à vos questions pour être bien dans la même conversation. Vous dire que je veux vous dire deux choses sur ce que vient de dire Monsieur Colombi parce que ça me semble assez important. Une personne qui a l'expérience de la grande pauvreté avec laquelle nous étions dans un séminaire de réflexion sur la grande pauvreté et la pauvreté dans notre pays, donc avec des responsables politiques, avec des personnes voilà, qui aident pour les affaires sociales dans notre pays, etc. Et elle faisait partie d'un petit groupe de ces personnes pour réfléchir au budget des personnes les plus défavorisées. Et à un moment donné, elle s'est un peu levée pour dire aux autres, mais essayez simplement. Essayez simplement de gérer un budget chaque mois avec à peine 500 euros. Essayez de gérer un budget avec à peine 500 euros pour vivre, pour payer les dépenses d'électricité, de chauffage, pour payer l'assurance, pour payer.
la nourriture, les vêtements, tout ça. Et ensuite, on pourra discuter. Voilà. Donc, moi, ce que nous disons à ATD Carmonde, c'est que ce sont les plus pauvres qui ont la solution pour trouver comment gérer ces choses-là. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais vécu dans la grande pauvreté et je serais incapable de gérer un budget de 500 euros par mois. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment une chose. Nous, ce que nous voulons et ce que nous cherchons depuis plus de 60 ans à ATD Carmonde avec les personnes les plus défavorisées, c'est qu'elles puissent exercer leurs droits. Parce que la pauvreté, ce n'est pas simplement une question monétaire. C'est une question aussi de pouvoir exercer ses droits. C'est-à-dire de pouvoir exercer, par exemple, on est virtuellement dans une bibliothèque, là. Eh bien, c'est de pouvoir exercer son droit à la culture. Alors, quand on vit dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, on vit dans une grande précarité. Et le fait d'être obligé d'aller rechercher un logement, d'être obligé d'aller chercher à manger, de ne pas savoir ce que l'on va manger le midi ou le soir parce que l'on n'a pas assez pour vivre, ça vous occupe toute la tête. Et pourtant, comme tout un chacun, on a envie d'exercer son droit à la culture, de pouvoir profiter de la culture comme les uns et les autres, de pouvoir partager sa culture avec les uns et les autres. Donc pouvoir, vous savez, souvent, on dit que les plus pauvres, on leur a enlevé leur dignité. On ne leur a pas enlevé leur dignité. Jamais personne ne peut vous enlever votre dignité. Mais par contre, on ne leur permet pas d'exercer leur dignité. Et pouvoir exercer sa dignité à égale dignité des autres, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, je vous en reparlerai après, mais nous, ce que nous imaginons sans cesse, avec les personnes les plus pauvres, c'est imaginer des projets pour imaginer des projets, mais les mettre en route pour vraiment permettre aux personnes les plus pauvres de vivre à égale dignité avec les autres dans notre société. Oui, sur ce soupçon qui est toujours, on va dire, présent, on le retrouve même dans la bouche des personnes qui dirigent le pays et qui ont été élues démocratiquement. Sûr. On se rappelle descendants de M. François Hollande et plus récemment du pognon de dingue que coûteraient ces classes populaires selon Emmanuel Macron. Je vais demander à Denis Colombier, à votre regard de sociologue, pourquoi ces expressions sont aussi dures et aussi humiliantes et quand même, si on en parle aujourd'hui, c'est que ça a fait débat. Alors, pourquoi on réagit de manière aussi épidermique à ce genre de propos qui peuvent être tenus? Je passe. Déjà, la première raison pour laquelle les propos sont aussi facilement violents envers les plus pauvres, c'est quelque chose qui recoupe ce que tu viens de dire, Marie-Alexandre. L'un des problèmes de la pauvreté, c'est effectivement la difficulté à exercer ses droits et déjà à exercer ses droits politiques, c'est-à-dire simplement à être représenté politiquement. Et le nombre aujourd'hui d'hommes politiques qui prend en charge, qui essaye de porter la voix des plus pauvres et de s'attacher sur la question de la pauvreté et de dire, voilà, je vais être celui qui va représenter les plus pauvres à l'Assemblée nationale, au Sénat, que sache à tort, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très difficile de se dire, quelques uns essayent parfois de le faire sur des segments de la population un peu particuliers en général, plus que sur vraiment la pauvreté dans son ensemble. Et donc, on a souvent des politiques, et c'est le cas des politiques d'assistance, c'est la plupart des politiques sociales, elles sont faites, comment dire, ce que notait déjà le sociologue Jörg Simmel en 1910, donc ce n'est pas un phénomène nouveau, en fait, c'est des politiques qui, dans les administrations, sont un peu particulières parce que les personnes qui en bénéficient, les sujets de ces politiques, les pauvres, ne sont pas vraiment celles à qui ces politiques s'adressent. Elles visent d'abord à satisfaire un électorat autre. Elles visent à satisfaire en fait les besoins de la société, de se dire les plus pauvres, il faut leur verser des revenus pour qu'ils soient pas tâcheureux, qu'ils ne tombent pas dans l'état et la casse. Il faut leur verser des revenus pour qu'ils soient disponibles pour travailler pour le marché du travail, mais pas à l'intérêt véritablement de ces personnes-là, et certainement pas à les consultants.
Donc, déjà, rien que le fait de les associer peut-être à la décision politique et peut-être d'avoir des partis politiques, des mouvements politiques qui essayeraient de les défendre, ça permettrait déjà de rendre ces expressions-là moins violentes à la côte des plus pauvres. Et en même temps, elles font toujours polémique. C'est effectivement, en général, ça fait réagir parce que sur ça, on sait bien qu'elles s'expriment un mépris, une exclusion envers les personnes concernées. Que leur sortie, on met un pognon de tête pour les plus pauvres et à la fin, ils sont toujours pauvres. Pourquoi le faire comme ça? Pourquoi l'exprimer avec autant de violence si ce n'est pour justement s'adresser à d'autres personnes que les premiers concernés? C'est ce décalage entre la politique dont ils discutent et les personnes à qui on s'adresse qui explique ça toute la violence de ces expressions et la façon dont elles font réagir. Oui, alors vous travaillez l'un et l'autre, alors voilà vraiment sur deux plans différents, vous Marie-Alette Grard au sein d'ATD Guermantes et vous Denis Colombier en tant que sociologue, puis vous avez aussi votre regard de professeur en lycée que vous placez en tant que professeur en lycée aussi à plusieurs reprises dans votre livre pour les échanges dans les salles de profs, des lieux communs qui peuvent être dits dans ces moments-là. Moi, ce que je voulais vous demander, c'était une question, on va dire, un peu plus personnelle, c'est pourquoi l'un comme l'autre, alors c'est deux choses différentes, mais pourquoi l'un comme l'autre, vous avez choisi de vous emparer de cette question? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, dans votre vie qui a fait que vous avez eu un déclic? On va peut-être commencer par vous, Marie-Alette Grard. Est-ce qu'il y a eu un moment, qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagée chez ATD Guermantes et pourquoi cette question de l'extrême pauvreté est une question qui vous a fait réagir et qui vous a donné envie de vous engager? Alors, c'est promis, je vais répondre à votre question. Mais si vous me permettez, je fais une petite réponse Oui, tout à fait. de complément à ce Bien que sûr. Denis vient de dire, parce que je n'ai pas osé vous interrompre. Mais je veux vous présenter ce livre parce que ça complète parfaitement ce que vous venez de dire, Monsieur Colombi. C'est-à-dire que, et ce que Et vous c'est un venez de excellent dire, livre. madame, Un excellent livre. voilà, c'est le livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. C'est un petit livre qui coûte 5 euros, que nous avons fait avec beaucoup de partenaires, parce que nous n'en pouvions plus des réflexions, parce que vous avez cité M. Hollande, vous avez cité M. Macron, et avant il y a eu M. Sarkozy, qui en a mis un certain nombre de louches, si je peux me permettre cette expression, pour vraiment dire combien les plus pauvres, c'est vraiment des boulets dans notre pays, quoi. Voilà. Et nous avons voulu ce petit livre pour expliquer combien nous pouvons vivre ensemble et pour surtout donner un outil à tous ceux qui voudraient, dans les dîners entre amis, alors évidemment en ce moment les dîners entre amis, c'est pas terrible, dans les conversations familiales, même sur Zoom, voilà, où tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, ils gagnent mieux leur vie au RSA qu'au SMIC. Donc, ce n'est pas la peine, ils n'ont pas envie de travailler. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas travailler. Et c'est complètement faux. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres parce qu'on ne vit pas bien avec un SMIC. Mais avec un RSA, on ne vit pas bien non plus. Et vraiment pas bien. Donc voilà, nous avons repris toutes ces idées pour expliquer les unes après les autres que non, c'est faux. Que les plus pauvres, ils ont aussi envie que leurs enfants réussissent à l'école, que voilà, qu'on ne vit pas bien avec un RSA, on ne vit pas bien avec un SMIC, mais on ne fait pas exprès de vivre avec un RSA, etc. Voilà, je m'excuse, j'ai fait mon Alors, petit oui, je couplet, vous en mais prie, je vais répondre c'était une. à votre question. Oui, vous l'avez toujours en Excusez-moi. tête ou vous les Oui, repose? je l'ai toujours en tête. Pourquoi je me suis engagée à ATD Quart-Monde? Parce que j'ai 60 ans et ça fait 40 ans que je suis à ATD Quart-Monde. Oui. Donc, je me suis engagée à ATD Quart-Monde parce que, sans doute, dans ma jeunesse, j'étais déjà engagée avec les Scouts et Guides de France et que j'avais envie de faire des choses avec d'autres. On m'avait beaucoup appris ça. Mais tout d'un coup, j'ai découvert que des personnes que je connaissais, qui étaient plutôt très diplômées, allaient engager leur vie pour vivre auprès des plus pauvres et vivre de façon très simple auprès des plus pauvres,
pour essayer de faire que ces plus pauvres ils puissent prendre part à la société avec d'autres. Et ces gens-là, c'était des volontaires permanents d'ATD Quart-Monde. Et du coup, j'ai découvert ça quand j'avais 16 ans. Et petit à petit, j'ai lu des livres du mouvement ATD Quart-Monde pour mieux comprendre. Et petit à petit, j'ai dû, comment vous dire, un peu désapprendre tout ce que l'on m'avait appris. C'est ça, Je suis de c'est justement formation là-dessus. judéo-chrétienne. Je suis, voilà, j'ai eu une formation où on m'a plutôt appris la charité et que moi, j'avais, comme je suis d'un milieu qui n'est pas pauvre, j'avais des choses à apprendre aux plus pauvres. Et à ATD Quart-Monde, j'ai appris que les plus pauvres avaient beaucoup de choses à m'apprendre et que la réciproque était vraie. Mais voilà, c'est vraiment cette réciprocité que j'ai appris à ATD Quart-Monde et que j'essaye de faire connaître partout, parce que si nous voulons une société qui ne laisse personne au bord de la route, c'est vraiment cette réciprocité-là qu'il faut mettre en place. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'était justement quelque part ce que je cherchais dans ma question. Vous êtes engagé et est-ce que encore aujourd'hui, à vous, votre regard, est-ce que encore aujourd'hui, vous apprenez entre guillemets sur le regard que vous portez sur la pauvreté? Est-ce que ça vous arrive encore de vous dire, ah bah tiens. Tout le temps, tout le temps. Parce que, vous voyez, j'ai beau être présidente d'ATD Quart-Monde, nous réfléchissons au quotidien avec des personnes qui vivent dans la pauvreté, dans la grande pauvreté. Et ce sont elles qui, sans arrêt, m'interpellent pour me dire, attention, là, Marie-Alette, tu te trompes. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque, à la fin du premier confinement, le président de la République a dit, nous allons permettre aux enfants qui ont le plus de difficultés à l'école de reprendre l'école, que ce soit plutôt eux qui reprennent l'école en premier. Eh bien, vous et moi, nous nous disons, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, ce sont ces enfants-là qui ont eu, enfin, qui ont peiné le plus pendant le confinement pour pouvoir suivre l'école, suivre les cours et pouvoir faire les cours à la maison quand on est dans un logement trop petit, qu'on est trop nombreux dans ce logement, enfin, voilà, qu'on n'a pas d'ordinateur pour pouvoir suivre ce qui nous est demandé, enfin, tout ça. Évidemment, on s'imagine que c'est quand même pour eux. Et ce que m'ont dit les militants Quart-Monde, des gens qui ont cette expérience de la grande pauvreté, ils m'ont dit, mais alors, ça veut dire que si c'est nos enfants qui doivent reprendre l'école en premier, sans doute c'est parce que il y a un risque plus grand et ils préfèrent faire courir le risque du virus à nos enfants en premier. Donc nous, on a très peur du virus, à juste titre, hein, ils ont très peur du virus, parce que la pauvreté, la grande pauvreté, ça casse terriblement. C'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui vivent dans la grande pauvreté qui sont porteuses de pathologies chroniques qui sont vraiment à risque avec Covid-19. Et leur réaction, ça a été de dire, ah non, mais on ne va pas mettre nos enfants tout de suite. Là, vraiment, ça veut dire qu'il y a un risque. Vous voyez? Et pour tout, à chaque fois que nous avons un sujet qui traite de l'actualité, voilà, de notre société, à chaque fois, je me fais un peu reprendre, et à juste titre, parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière, parce que notre quotidien est très différent. Mon quotidien est très différent de personnes qui vivent dans la précarité chaque jour. Merci à Marie-Alette Grard pour cette réponse complète qui nous permet vraiment de ressentir et de voir que finalement c'est tous les jours que les uns et les autres on peut réfléchir à notre regard. Et vous, Denis Colombier, alors si je devais résumer un petit peu la question, c'est vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez, en tant que sociologue, professeur au lycée, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, bah, tiens, je vais écrire un livre qui va s'appeler Où va l'argent des pauvres? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous intéresser à cette question? Peut-être que vous le faites depuis longtemps et que là c'était mûr, mais qu'est-ce qui a fait que c'est d'un seul coup vous êtes dit j'ai besoin d'écrire ce livre et de démontrer quelque chose? Alors moi, ce qui m'a conduit sinon à écrire le livre, au moins m'intéresser à la question, c'est en fait de lire de la sociologie. C'est mon cheminement intellectuel un peu personnel, mais trop, j'ai pas tant que je faisais ma thèse en sociologie, je travaillais sur un sujet qui était assez éloigné,
mais j'étais amené à participer à tes séminaires, à suivre tes publications. Tu as une approche particulière de la sociologie qui est la sociologie économique. Tu t'intéresses aux phénomènes économiques avec les sous-titres de la sociologie. Et là, j'ai commencé à lire un certain nombre de travaux qui portaient sur la consommation, la gestion des budgets, l'argent, et notamment plusieurs qui portaient sur l'argent et les classes populaires, généralement les questions des classes sociales. Et ça m'a conduit, en fait, à repasser un certain nombre de choses que j'avais vues et que j'avais passées, dans un certain nombre de cas, lorsque j'étais moi-même au collège et au lycée. J'étais à ce lycée, un collège, des collèges et des lycées où il y avait une assez grande, finalement, mixité sociale. Bien sûr, c'était dans une petite ville, dans le sud de la France, le collège et le lycée public. Il y avait des personnes en situation de pauvreté, de très grande pauvreté, qui étaient à le collège, à le lycée, qui étaient parfois avec moi en classe. Et ça m'a aussi fait passer à mes premières expériences d'enseignant où j'étais dans des lycées également ruraux, dans lesquels il y avait une certaine mixité sociale. Et on avait certains élèves dont on voyait qu'il y avait une très, on savait qu'il y avait une très grande pauvreté derrière chez les parents et dans les familles. Et ça m'a fait passer à un certain nombre de choses que j'ai vues. Certains jugements que j'ai eus négatifs sur la pauvreté, sur la consommation, par exemple, des élèves, sur le fait que les parents, par exemple, un jour, je me souviens, des lycées où j'ai enseigné, les parents avaient refusé de payer pour envoyer leur SAFA au théâtre. La professeure de français voulait voilà, faire une soirée au théâtre, il fallait payer quelque chose, pas très rageant, c'était 3-4 euros. Tes parents avaient refusé, à seul tes profs, on était nombreux à s'être énervés, à se dire ça, ouais, mais bon, ils refusent de payer ça, mais en même temps, leur SAFA, ils sont tes baskets à 5-7 euros, ils sont tes téléphones portables, et enfin, on joue de préjugés comme ça. Et Alissa, en fait, tes travaux de sociologie, je me suis rappelé toujours que c'était assez faux et assez bête de passer comme ça. Et c'est pour moi l'une des choses qu'apporte la sociologie sur ces questions-là. C'est avoir l'occasion d'avoir des travaux de terrain. Les sociologues enquêtent, ils vont sur le terrain, ils vont rencontrer les personnes en situation de grande pauvreté, on va t'écrire une ethnographie, on va t'écrire un livre sur la question, on fait des entretiens, on va observer. J'ai essayé de synthétiser ces différents travaux. Moi, j'ai pas fait une enquête sur cette question-là directement, mais j'ai essayé en fait, de prendre des travaux qui sont divers, qui portent sur la France, les États-Unis, quelques autres pays, et puis t'as faire une synthèse qui soit facilement accessible. Et toi, c'est ça qui m'a amené à réfléchir à ça. Et puis, j'avais fait un premier billet sur mon blog qui parlait de cette question-là. Et je me suis dit, tu as fait ce billet. Beaucoup de personnes, en fait, m'en ont reparlé. J'ai vu qu'il s'échangeait beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air de répondre, en fait, il y avait des gens qui étaient curieux de cette question-là. Et toi, après, mon éditeur, Renaud Paquette, chez Payot, m'a contacté un jour en me disant, ça, est-ce que ça vous intéresserait de faire un bouquin sur ce thème-là, et je me suis dit, ouais, en fait, il y a des chats qui ont besoin de lire de la sociologie sur cette question-là, il y a une demande, et donc, voilà, c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser. Et vous, alors, est-ce que en écrivant ce livre, il y a des choses que vous avez apprises? Est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous aimeriez évoquer qui vous ont voilà, remis en question, ou vous êtes dit, ben, tiens, moi-même, j'étais dans une position où j'étais ignorant, où j'avais un cliché en tête là-dessus. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris à l'écrivain parce que j'ai beaucoup lu pour l'écrire. Qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans? Beaucoup d'analyses, notamment sur les consommations. J'ai parlé des baskets, là, des téléphones portables. Il y a beaucoup, on a beaucoup tendance à se dire, voilà, on voit des personnes qui consomment, qui ont peu d'argent et qui font des consommations, qui nous sapent. Vu de loi absurde, et ils s'achètent des scraplas, ils s'achètent de la nourriture très chère, des choses comme ça. Mais ils savent pas gérer leur achat. Et en fait, une des choses qui m'a marqué là-dessus, j'essaye de te remontrer qu'en fait, il y a une logique derrière, ça répond souvent à tes besoins qui sont réels. Et un passage qui m'a particulièrement marqué, c'est dans un ouvrage qui s'appelle Avis d'expulsion de Matthew Desmond. Il y a un ouvrage que j'encourage tout le monde de lire parce qu'il me semble très important là-dessus. Il a travaillé, il a fait une ethnographie des expulsions aux États-Unis à Milwaukee. Et total, il raconte une femme qui s'appelle Lauren,
Tia, elle a 60 ans, elle vit à Saint-Mopilhomme, elle n'a pas de travail, elle est veuve, elle est à très, très, très de difficultés. Et elle a tendance à utiliser son achat d'une façon qui semble très, très peu avisée. Elle achète des crèmes de beauté qui sont très chères, elle dépasse tous ses pots alimentaires en une journée pour se faire un repas pour l'anniversaire de la mort de son mari. Voilà. Et Mathieu Tesmond montre qu'en fait, elle n'a pas intérêt à consommer autrement parce que même si elle économise, même si elle économise et tout ça, de toute façon, elle sortirait pas de la pauvreté au final. Et des choses comme un écran plat ou une télévision, une trappe télévision, le câble, elle en a besoin parce qu'elle n'a rien d'autre à faire à la journée. Elle est hachée, elle est dans un mobil-home. Elle a besoin de ça comme occupation. Mais il y a un moment où il lui dit, t'as la tête, le sociologue lui-même dit, voilà, la reine, quand même, quand je vais mettre ça, t'as mon bouquin. Ils vont pas comprendre, les chats, pourquoi tu viens juste de toucher l'achat de l'assistance sociale et tu vas t'acheter un écran plat. Ils vont pas comprendre. Et elle lui répond, et je trouve ça assez marquant, elle lui répond, moi, de toute façon, je comprends pas non plus ce que font les autres personnes. Je comprends pas comment ils dépensent leur achat. La plupart du temps, je les comprends pas. Donc, pourquoi ils cherchent à me comprendre, moi? Et elle lui ajoute, pourquoi je dépasse comme ça? Eh ben, parce que je le peux. Parce que j'en ai envie. Et elle ajoute après, j'ai passé toute ma vie, quand j'étais petite, j'étais échappée à la pauvreté, je mangeais des hot dogs, c'était pas bon, je détestais les hot dogs. Maintenant, je suis plus une gamine, donc je mange autre chose, je mange du steak parce que je préfère le steak. Et ce truc de se dire, voilà, en fait, les personnes dans la situation de pauvreté, ben, elles sont des avis comme les autres, et quelque part, elles sont le droit d'avoir une vie, et elles peuvent réclamer d'avoir une vie comme les autres, et de pas se dire, voilà, ah ben oui, je suis pauvre, donc il faudrait que je sacrifie toutes mes avis. Elle le faut, tes chats. Elle le faut, tes chats, en permanence. Mais on ne peut pas le faire en permanence, ça souffrir psychologiquement, humainement, physiquement. Donc, par moment, elle s'essaye de vivre comme elle s'en a envie. Et finalement, est-ce qu'elles n'en ont pas le droit? La question qu'il faut se poser. Marie-Hélène Grave, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je voulais raconter un exemple qui complète ce que dit Denis Colombi. Hein. C'est vraiment tout à fait dans le même sens. J'ai en tête une amie militante d'ATD Quart Monde, donc une personne qui vit dans la grande pauvreté, à qui une assistante sociale un jour lui dit, mais pourquoi vous achetez un lecteur de DVD quand même? Vous avez déjà pas assez pour finir le mois. Et elle explique très simplement, mais très simplement, mais en fait, moi je ne peux pas aller au cinéma, mais j'ai envie de pouvoir partager des films avec mes enfants. J'ai envie que l'on puisse regarder des films. Alors, on nous prête des DVD, mais pour regarder des DVD, il faut pouvoir les lire. Donc voilà, oui, effectivement, ce mois-ci, je fais un écart et j'achète un lecteur de DVD. Mais après tout, est-ce qu'on nous pose la question, nous, de savoir si on fait des achats toujours judicieux? C'est ça la question qu'on devrait se poser aussi. Est-ce que les questions que l'on pose aux personnes qui vivent dans la pauvreté, on nous les pose à nous? Non, pas du tout. Vous voyez, sur ces questions de consommation, nous, on ne nous poserait jamais la question, est-ce que c'est judicieux ou pas ce que vous venez d'acheter? Est-ce que ce n'est pas complètement farfelu au regard de votre budget? Mais on pourrait prendre tout un tas d'exemples dans des différents domaines, dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants qui parfois posent. Alors, je n'ai absolument rien contre les enseignants et plutôt une grande admiration pour les enseignants. Hein. Je prends quand même quelques précautions d'usage pour vraiment montrer que je ne suis pas en train de les montrer du doigt. Mais reconnaissons que les enfants qui sont en difficulté scolaire sont trop souvent des enfants de milieux les plus défavorisés et que trop souvent, les enseignants, avant de comprendre ce que vivent ces enfants ou ces jeunes, avant de pouvoir de rentrer dans un vrai dialogue d'adulte à adulte avec les parents, ils sont déjà dans des possibilités, dans des idées de ce qu'il faudrait changer dans leur vie, de ce qu'ils devraient faire, avant de rentrer dans un dialogue avec les parents pour vraiment se comprendre et voir ce que les parents imaginent pour leurs enfants, ce que les jeunes imaginent pour leur avenir, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les autres milieux. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence, c'est que pour un autre milieu social, on ne va pas se permettre de dire, mais vous savez, là, vous devriez plutôt faire comme ça pour votre enfant. Alors que pour un milieu social un peu aisé, on ne va jamais dire, vous devriez faire comme ça pour votre enfant.
Oui, tout à fait. Et donc sur ce, pour poursuivre dans cette idée de regard que l'on pose, évidemment, on pense à un vecteur essentiel sur lequel, sur plein d'autres problématiques, on revient toujours, mais c'est le regard des médias qui est posé sur les classes précaires, sur les plus précaires. Et est-ce que notre regard à toutes et à tous n'est pas en partie conditionné par, enfin, c'est un serpent qui se mord la queue, Bien sûr. parce que les journalistes sont des gens comme les autres, et donc ils ont eux-mêmes certains clichés en tête, les rédacteurs en chef, etc., qui commandent des sujets sur des problématiques à leurs équipes, qui reflètent une réalité anglaise, en tout cas, qu'on pourrait dire parfois biaisée, quand on parle de certains quartiers ou même de certains endroits de France. On revient toujours sur des sortes de clichés, et on pourrait mettre deux reportages l'un à côté de l'autre, sur deux endroits différents qui sont considérés comme pauvres. On pourrait avoir des termes et même une manière de monter le reportage identique. Ça, Denis Colombier, est-ce que dans vos travaux, vous avez réfléchi à cette question des médias, du regard des médias, en tout cas des journalistes, à poser sur cette question de la pauvreté? Alors, je ne l'ai pas traité, je l'ai pas traité à soi cette question-là, mais il est clair qu'il y a un regard particulier et une façon particulière de parler des pauvres dans les médias. Déjà, on en parle relativement peu. C'est pas le thème le plus courant. Et lorsque c'est fait, en fait, ça a été beaucoup fait notamment au mouvement au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et Arrêt sur Image avait fait un assez bel article là-dessus. Tu en parleras les différents reportages qui traitaient de cette question-là. Et en fait, on va toujours aller regarder très précisément. On va avoir une caméra qui est assez acquisitrice, qui va essayer d'aller voir, te demander au chat, te montrer comment ils dépassent leur argent, de montrer les factures, de montrer copier leur toute telle ou telle consommation, d'expliquer. Et on va avoir un retard qui est assez particulier, qui est assez piécé, mais qui n'est pas simplement celui des médias, qui est aussi celui de des spectateurs, des lecteurs. Et je me souviens de cet article du Monde au début du mouvement des Gilets jaunes qui rapportait, voilà, il suivait un compte couple de Gilets jaunes, d'autres, qui vivait, voilà, des revenus relativement modestes. Il savait, je crois, seulement il n'y avait que le mari qui travaillait. Il était au SMIC. Son épouse ne travaillait pas parce qu'il savait trois ou peut-être quatre AFA, je me souviens plus, mais voilà, elle s'occupait des AFA parce qu'il pouvait pas se payer une nounou, il pouvait pas aller à la maternelle et des choses comme ça. Les AFA étaient encore petits. Et la journaliste qui avait écrit cet article a dû faire un deuxième article sur les réactions extrêmement violentes qu'a suscité l'article, sur des insultes très fortes vis-à-vis de ce couple et surtout des accusations constantes de dire, mais finalement, ils sont pas pauvres, en fait, pourquoi ils se plaignent? Déjà, si c'est leur faute, ils savaient déjà pas faire des safans. Ce type de réaction qui est évidemment une violence affreuse. Je remets à toi, c'est même l'existence d'être humain, parce que les paras, soit dit ça, n'auraient pas dû les savoir. Je ne sais pas si les chats réfléchissent avant d'écrire des choses comme ça. Mais on a souvent tendance ainsi à voir, lorsqu'on parle de la pauvreté, y compris dans les médias, ce n'est pas toujours les journalistes, c'est parfois les spectateurs eux-mêmes, tendance à voir très facilement ce que les pauvres ont et pas ce qu'ils n'ont pas. On voyait très bien, par exemple, dans ce couple-là, les SAFA, il le disait à un moment donné, les SAFA ont des vêtements de marque. Parce que les parents, ils veulent que leur SAFA, ils se fassent pas péter, ils se fassent pas harceler à l'école, parce que voilà, on n'a pas tes vêtements de marque, parfois on se fait péter. Et ça, les jeunes voyaient très bien. Mais par contre, voir tout ce qui maintient ces personnes-là, voir qu'ils n'avaient pas assez d'argent toujours pour s'acheter à manger, qu'ils devaient faire d'énormes sacrifices, etc. Ça attirait moins l'attention. On a tata sur la pauvreté à voir, sur les pauvres, à voir très facilement ce qu'ils sont. Un STF avec un téléphone portable, on va être obsédé par l'idée qu'il a un téléphone portable, c'est pas normal. Je me souviens aussi d'un reportage de quotidien sur une étudiante à situation précaire et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. C'était centré sur le fait qu'elle avait une bouteille de parfum posée sur son bureau. La bouteille de parfum, ça, tout le monde l'avait vue, alors qu'elle n'était pas commentée dans le reportage. Le frigo vide, ça, par contre,
ça avait été moins remarqué. Et on a une tendance à, on a un regard sur la pauvreté qui est parfois, se tourne parfois sur des détails finalement. Tout le monde a une bouteille de parfum chez soi. Peut-être pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes. C'est pas ça qui apporta. Ce qui apporta, c'est que le frigo soit vide. C'est ça qui est le point Vous important. ouvrez d'ailleurs votre livre sur une scène dans le métro à laquelle les personnes qui habitent dans les métropoles ont souvent été confrontées. Voilà, quelqu'un qui fait la manche. Et vous parlez de ce soupçon soudain des chaussures qui ont l'air neuves, du téléphone qu'on peut voir dans la poche, et aussi sur le soupçon de la manière dont l'argent qu'on va pouvoir peut-être donner à cette personne va être dépensé. Effectivement, voilà, on est vraiment dans cette thématique-là. Et vous, Marie-Alette Grard, quel sentiment vous avez vis-à-vis du traitement médiatique qui est réservé aux plus pauvres? Écoutez, Monsieur Colombier a complètement raison hein, dans ce qu'il dit et je ne vais pas reprendre parce qu'effectivement, c'est quand même assez attristant de voir la manière dont c'est traité la plupart du temps. Mais du coup, j'ai envie de, pour prendre un peu le contre-pied, de souligner des reportages qui ont pu être, qui peuvent montrer ou en tout cas d'inviter à des reportages, si par hasard l'un ou l'autre nous écoutait ou nous regardait, d'inviter à des reportages. Donc je pense à un reportage qui est passé un an et demi ou 2 ans, Gosse de France d'Andrea Rawlings, qui est un reportage qui est fait sur 4 jeunes qui vraiment tous vivent dans des situations de grande pauvreté. Et au début du reportage, vous vous dites, oh, putain, mais c'est impossible de vivre dans ces situations-là. Enfin, quel avenir vont-ils? Et on suit le cheminement de chacun de ces jeunes tout au long du reportage. Et on voit l'attachement de chacun de ces jeunes à leurs parents, mais alors de manière extrêmement forte, alors qu'ils vivent des conditions, parfois ils vivent à la rue, parfois ce sont des parents qui abusent trop de l'alcool parce que trop de soucis et trop de choses comme ça, mais malgré tout, dans les moindres détails, la manière d'Andrea Rawlings de montrer combien ces jeunes essayent de se construire avec l'amour de leurs parents, c'est vraiment très important, je trouve. C'est vraiment un reportage très fin pour montrer que ces jeunes, ils ont une sacrée force et que franchement, chapeau. Alors moi, je rêve de voir des reportages de faits sur, par exemple, des travaux que nous faisons régulièrement avec des chercheurs et également avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et des enseignants. Vous voyez, nous menons actuellement une recherche sur 5 ans sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés dans notre système scolaire. Et nous faisons régulièrement des temps de travaux communs entre chercheurs, enseignants et personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Alors, je cite là le domaine de l'éducation, mais ça peut être dans tous les domaines de la vie. Nous menons régulièrement des travaux comme ça. Et j'aimerais tant qu'il y ait des reportages, mais même assez courts, qui montrent que quand on est pauvre, quand on vit dans la grande pauvreté, très souvent, trop souvent, évidemment, on ne l'a pas choisi. Et qu'on est aussi intelligent que les uns et les autres. Et qu'on a quelque chose à apporter à notre société pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Et montrer que on peut vraiment, on a tout à gagner, chacun de nous. Voilà, nous qui sommes là autour de cette table ronde, nous avons à gagner à reconnaître en l'autre quelque chose qu'il peut apporter à la société. Franchement, changeons notre regard, comme vous le dites dans cette belle table ronde, changeons notre regard, regardons l'autre autrement, même déjà, juste un sourire à la personne qui vous importune dans le métro parce que vous avez envie de lire votre livre tranquillement ou parce que vous avez envie d'être tranquille en allant acheter votre pain et que vous en avez assez de voir cette personne qui fait la manche, eh bien, changeons de regard, regardons-la avec un sourire, disons-lui bonjour au bout de quelques fois que nous la voyons, et puis au bout de quelque temps, échangeons quelques paroles
Voilà, j'ai vraiment envie de dire, chacun de nous peut agir là Moi, où il est. avant de passer aux questions, on a reçu quelques questions des personnes qui nous suivent actuellement en ligne. Y a quand même quelque chose qu'il faut quand même se dire, c'est que le concept de pauvreté n'est pas quelque chose de figé. Et être pauvre, on peut ne pas l'être, puis le devenir. On pense aujourd'hui évidemment à la crise sanitaire et la crise économique dans laquelle on est toutes et tous plongés. Les nouveaux pauvres, voilà, on va les compter de plus en plus nombreux. Voilà, on les compte déjà de plus en plus nombreux quand on voit les chiffres du chômage. Quand on voit aussi, je pense notamment à la situation des étudiants qui n'ont plus de petits jobs et qui doivent aller chercher des colis alimentaires. Est-ce que justement, en dehors du travail qu'on essaye de faire ensemble ce soir dans cette table ronde, est-ce que la société finalement ne va-t-elle pas changer de regard, ne va-t-elle pas être forcée de changer de regard sur la pauvreté dans le sens où on risque d'avoir de plus en plus, enfin, il est sûr même qu'il va plus avoir de plus en plus de pauvres dans les semaines et les mois à venir. Voilà, est-ce que, selon vous, par exemple, Denis Colombier, est-ce que on va être quelque part forcé de se dire que, ben voilà, on va changer nos regards parce que peut-être que la personne qui était autrefois notre voisin du dessus et qui avait un travail va peut-être être obligée de demander le RSA. Voilà, ça va peut-être toucher de plus en plus de personnes que l'on connaît. Et donc, est-ce qu'on ne va pas être forcé aussi par la force des choses et de la société qui évolue? Alors oui, on va ça tout voir à chaque chemin trop tard. À tout cas, il y a un très bel article de Serge Pocam qui montrait qu'en fait, la perception de la pauvreté, lorsqu'on te demande simplement aux gens, t'as tes sacettes, t'as tes sondages, est-ce que vous pensez que la pauvreté est affaire individuelle, est un problème individuel, ou est-ce que c'est un problème produit par la société? T'as les périodes où la pauvreté a tendance à augmenter. La dernière fois, c'était la crise de 2008. Il y a de plus en plus de personnes on commence à dire, oui, c'est un problème de la société, c'est pas la faute des pauvres. Donc, on va peut-être effectivement chercher trop tard pendant un temps. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est pourquoi ce changement trop tard, c'est parce qu'on se sent plus menacé chaque job pour la pauvreté, par la pauvreté. Et on se dit, ah ouais, ben, ça pourrait m'arriver, et donc, si ça peut m'arriver, je sais bien que moi, ça ne sera pas de ma faute si je deviens pauvre. Donc, je modifie mon retard. Il est possible que ça passe, c'est possible que l'espérer que l'économie aille mieux après, que la pauvreté se réduise à nouveau. Et à ce moment-là, si le cycle continue comme il s'est passé par le passé, on se remettra à dire, ah oui, mais en fait, les pauvres, c'est leur faute s'ils sont pauvres. Et en fait, il va y avoir une partie de la pauvreté qui n'est pas produite par la crise du Covid, qui était là avant, qui sera là patin, qui sera là après. Il y aura peut-être des personnes qui vont devenir pauvres à l'occasion de cette crise et qui vont le rester après, même lorsque l'économie va repartir. Et il ne faut pas oublier l'existence de cette pauvreté récurrente et parce qu'on risque de tomber dans un peu la différence entre le bon pauvre et le mauvais pauvre. Le bon pauvre, c'est celui qu'on veut bien aider parce que ce n'est pas sa faute. Il y a le mauvais pauvre, on estime que c'est sa faute, donc lui, on ne veut pas l'aider. Et ça risque de pas chercher, on ne risque pas chercher notre retard là-dessus. Il ne suffit pas simplement de se dire, bon, maintenant, il y a un peu plus de pauvres, donc c'est vrai que c'est à cause du coronavirus, donc ce n'est pas leur faute. Passons à la sable de la pauvreté. Personne n'est responsable de la pauvreté. Personne n'a choisi d'être pauvre. Et la question qui veut se poser, c'est est-ce qu'on veut vivre dans une société où des personnes se retrouvent à la pauvreté, quelle que soit qu'on soit dans une période où elle augmente ou elle baisse. On pourrait se poser simplement la question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'éradiquer la pauvreté, de ne pas avoir en France des personnes qui vivent la situation de pauvreté? C'est possible. C'est tout possible. C'est un problème qui est plus politique que strictement économique. Faute des politiques pour ça. Permettez-moi, Marie-Hélène, je ne veux pas les opposer les uns aux autres, mais il y a précarité et grande précarité. C'est-à-dire qu'avec cette crise, on le voit encore plus. Alors, le terme des journalistes, c'est de dire des nouveaux pauvres. En tout cas, c'est les personnes qui vivent déjà sur un peu un fil et qui se retrouvent dans la précarité. On voit bien ces gens qui sont obligés d'aller
aux distributions alimentaires. On voit ces étudiants là qui n'ont plus de boulot. Ils sont dans la précarité. Et ce qui est inquiétant avec cette crise, c'est que ils augmentent, que ce nombre augmente terriblement, mais qu'augmente exact et également le nombre de personnes qui vivent dans la grande précarité. Et vivre dans la grande précarité, dans la grande pauvreté, c'est avoir un cumul de précarité. C'est-à-dire que vous avez des soucis dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Vous voyez, dans les domaines des droits fondamentaux. Et ça ne vous arrive pas du jour au lendemain. C'est parce que depuis un moment, vous êtes dans la précarité et que votre situation empire. Et là, vous allez être dans la grande précarité. Et malheureusement, pour ressortir de la grande précarité, il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est pas de dire nouveau pauvre ou, mais c'est que, franchement, le nombre de personnes qui sont dans la grande pauvreté augmente, alors que ça n'augmentait pas depuis des années. Depuis 3 ans, la pauvreté augmente. Déjà, c'est inquiétant. Mais là, avec la crise, la grande pauvreté augmente. Donc ça, c'est inquiétant. Est-ce que vous me permettez de répondre à des questions qui sont sur le chat? J'allais vous les poser. Donc on passe. J'ai pas besoin d'être là en fait. J'allais vous en parler. Donc on a quelques questions qu'on a sous les yeux posées en ligne. Alors la première que je vais prendre, c'est donc c'est je pense que c'est adressé plutôt à vous, Marie-Alette Grard. Comment comprendre le refus du gouvernement d'étendre le RSA aux plus de 25 ans, alors que voilà, on vient d'évoquer les étudiants et les files d'attente d'étudiants qui s'allongent pour obtenir des repas. Est-ce que en tant que membre du CESE, est-ce que vous avez l'occasion de porter vos idées au niveau ministériel et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ces problèmes sont pensés par les administrations, les cabinets, les ministres? Alors, nous les portons sincèrement, je dirais quasiment quotidiennement, au niveau ministère, au niveau des députés, des sénateurs. On ne ménage pas notre peine en audition pour aller faire comprendre combien un RSA au moins de 25 ans hein, est vraiment très important. Parce que, mais ce RSA au moins de 25 ans, Moins de que 25 ans, nous excusez-moi. appelons de nos voeux, est très important. S'il est assorti d'un droit à la formation que le jeune va pouvoir choisir et d'un accompagnement dans la durée. Parce que tout ce qui est proposé jusqu'à présent par le gouvernement, ce sont des choses pas du tout pérennes. C'est-à-dire que toutes les choses qui ont été proposées depuis le début de cette crise, par exemple, pour les jeunes, hélas, les jeunes de milieux les plus défavorisés, ils n'ont rien eu. Et les autres, ils ont eu des petits chèques. Mais les petits chèques, ce n'est pas ça qui permet de voir un peu plus loin que demain. Il s'agit de voir un peu plus loin que demain pour oser rentrer dans une formation, avoir un diplôme et ensuite pouvoir chercher un emploi. Donc ce RSA au moins de 25 ans, oui, vraiment, nous l'appelons de nos voeux et c'est très important. Il faut. Mais alors, le gouvernement ne veut rien entendre pour l'instant. Hein. Là, franchement, on est face à des. Voilà. C'est déprimant, mais c'est comme ça. Et alors, une autre question qui vous est adressée, vous êtes donc, vous, Marie-Alette Grard, militante à TT Garnemont depuis très longtemps. Et alors, quel est le rôle des militants ATD au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors, je vais quand même vous dire qu'on a trois formes d'engagement à ATD Quart-Monde, parce que chacun de vous peut s'engager avec le mouvement ATD Quart-Monde, c'est-à-dire d'oser voir une société où chacun a sa place. Il y a les militants Quart-Monde, ceux que nous nommons des militants Quart-Monde, ce sont des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et qui décident de se mettre debout pour aller en chercher d'autres et pour faire changer la vie autour d'eux. Pour devenir militant, donc vraiment se mettre avec d'autres pour faire changer la vie autour d'eux et réfléchir avec d'autres. Et puis, il y a des volontaires permanents, ce sont des personnes qui ont une formation professionnelle, qui n'ont pas l'expérience de la grande pauvreté et qui décident de mettre toute leur vie
au service du mouvement ATD Quart Monde et qui donc se forment pour ensuite aller accepter des missions pour aller vivre auprès des plus pauvres en France ou dans l'un des 30 pays dans lesquels nous sommes implantés pour, voilà, pour vivre des expériences avec les plus pauvres en France ou dans des pays dans le monde, tout en vivant très simplement. Hein. Ils reçoivent une indemnité de 600 euros par mois en étant logés par le mouvement ATD Quart Monde. Et puis, il y a les alliés, ce sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire que très souvent, ce sont des gens qui ont une profession, mais qui acceptent de se former aux côtés des plus pauvres pour mieux comprendre ce combat que l'on mène d'une société qui n'oublie personne. Et des alliés, il y en a partout dans la société. C'est ça qui est important. C'est qu'il y en ait partout. Que vraiment, ça infiltre la société pour qu'on arrive à convaincre les gens que nous pouvons faire société tous ensemble. Bon, alors on arrive, merci pour votre réponse. On arrive à la fin de cette table ronde. Si je vais vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que, si toutefois cela est possible, est-ce que pour vous, Denis Colombi, pour vous, Marie-Hélène Grard, il y a quelque chose un cliché, un regard dont il faut absolument se départir en ce qui concerne la pauvreté? Alors, je sais que il y a plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'aujourd'hui les gens qui nous ont suivis retiennent? Denis Colombi, à vous, voilà, en quelques mots pour conclure. Alors moi, il y a peut-être quelque chose qui est très simple, qui est un peu la conclusion de mon livre. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour lutter contre la pauvreté? En dernière analyse, c'est de donner l'accès aux personnes à l'argent et de se dire, ça peut s'appeler être tout à fait simpliste, une fois de plus, c'est une banalité. Et en fait, on met toute énergie à ne pas voir que les difficultés des plus pauvres, elles viennent quand même t'apporter la privation matérielle. Elle y a d'abord du match d'argent et qu'à partir du moment où on leur donne accès à plus d'argent, ils peuvent consommer différemment, ils peuvent consommer parfois plus efficacement et leur situation peut s'améliorer. On a l'idée parfois de donner de l'argent aux pauvres, c'est pas la solution à la pauvreté et que même si on leur a donné, on va les affermer, t'as tes trappes à pauvreté, t'as l'oisiveté, t'as l'assistanat et des choses comme ça. En fait, les expérimentations qui ont été faites par tes économistes, par tes sociologues, par tes CETA et des choses comme ça, par tes collectivités, montrent que généralement, quand on donne plus d'argent aux pauvres, leur situation s'améliore, ils peuvent retrouver un emploi plus facilement, ils peuvent chercher leur mode de consommation parce que d'un seul coup, il devient possible d'envisager l'avenir. Et c'est quelque chose qui est très simple à faire et qu'on peut faire finalement assez simplement au niveau d'un État. Et voilà, et c'est quelque chose qui marche. Et alors, merci pour votre conclusion. Et vous, Marie-Hélène Grard, en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change là tout de suite dans notre regard, dans notre façon de faire? Alors, écoutez, moi, je dirais une chose très simple. Chacun de nous peut agir. Et rejoignez-nous dans les festivals des savoirs et des arts, où des artistes et des artisans et tout un chacun peut venir partager ses savoirs avec les personnes dans les quartiers dits les plus défavorisés, où nous menons des actions tout au long de l'année, des bibliothèques de rue. Rejoignez-nous dans les universités populaires Quart Monde pour venir effectivement partager vos savoirs avec les personnes les plus défavorisées et apprendre des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc, franchement, je me permets de faire une seconde de pub, rejoignez-nous à ATD Quart Monde, faites atdquartmonde.fr sur le site et rejoignez-nous. Ce sera vraiment un grand plaisir que de vous accueillir et de bâtir la société ensemble que nous appelons de nos voeux. Et c'était un plaisir de vous avoir ce soir tous les deux, malgré le fait qu'on soit en virtuel. Voilà, c'était une rencontre organisée par les bibliothèques de la ville de Paris et notamment la bibliothèque Buffon dans le 5e arrondissement que je vous invite à venir voir. C'est une très belle bibliothèque qui donne sur le jardin des plantes. Il y a plein de livres à emprunter gratuitement quand on a une carte, très facile à faire. Voilà, je rappelle que Denis Colombi, vous êtes l'auteur du livre
Où va l'argent des pauvres chez Payot, qui est disponible aussi dans nos bibliothèques à l'emprunt, même s'il est très demandé. Moi-même, j'ai même pas pu l'emprunter. Je suis donc allée en librairie, mais si vous le réservez, vous l'avez dans quelques semaines. Et Marie-Hélène Grard, je vous laisse rappeler le livre aussi publié par ATD Garmonde. Voilà, en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les bonnes bibliothèques. Mais achetez-le parce que c'est un livre que l'on doit diffuser, diffuser, diffuser. Voilà, vous avez donc de quoi lire. Merci à toutes et à tous de nous Merci à avoir vous. suivis. Et Merci à vous. c'est en ligne, cette vidéo est en ligne, elle est en replay, donc vous pouvez la revoir si vous nous avez attrapés en cours de route. Voilà, très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, bonne Quoi? soirée. Merci à vous.